Yap yap YouTube, c'est chez Loser, on est sur The Last Face pour la suite du Let's Play. Alors je me suis seulement TP ici, hein, je vais faire ça avec vous. Donc, on avait fait la crypte, je pense qu'on va arriver bientôt sur un boss niveau supérieur. Donc qu'est-ce que je pourrais monter? Je peux prendre combien? 3 niveaux. L'esprit, ça pourrait être quand même pas mal. Ça me permettrait d'avoir plus de concentration. Bon, les défenses, ok. Alors, j'imagine que pour avoir les défenses pas mal, il faudrait monter un petit peu tout. Mais par exemple, ici, l'instinct, je vois que ça me permet de monter les résistances en électricité. Mais il suffit que tu utilises des sorts électriques. Ça va te permettre d'éviter de mettre trop de points en instinct puisque tu prends les 15% de résistance. Donc, on va avoir. À voir tout ça. Dextérité, c'est contre la brûlure. Ou alors faire un truc assez homogène. Putain, je sais pas trop. Non, bon, allez. Je vais monter l'esprit pour l'instant. Je vais essayer de passer à 15 en esprit. 25 en constitution et 35 en force. Voilà, ça va être déjà la première étape. 25 constitution, 35 en force et l'esprit à 15. Et après on verra. Bon, je vais faire un petit check vite fait sur les PNJ. Parce que j'avoue, j'y suis pas allé beaucoup. Alors qu'est-ce que tu me dis, toi? Donner tous les morts-nés. D'accord, je sais pas du tout où j'ai récupéré ça, c'est mort-né. Sur des boss, hein, enfin des mobs, hein, je pense. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait Mister là. Tu vends rien de plus, donc des bastos, ok, des bombes, ouais. Amélioration des armes, de toute façon, moi, il me manque le plan de prototype. Okay. Mister Mark, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi, de beau? Your will grows stronger, Eric. Ceinture, ouais. Un mécanisme permettant de recharger automatiquement les armes à distance. Merci. Bon, bah, sympathique. Et de ce côté, il y avait... Oui. Annabella. Annabella. Qu'est-ce que tu vends? Ça, j'en ai 14 en stock. Vas-y. S'il y a un boss, hein, autant... Tiens, voilà, il va me rester une âme. C'est pas beau, ça? Bon. Arrête d'être possédé. Allez, on est reparti pour la cryptouze. Donc, l'entrée de la crypte. Peut-être éventuellement ça. Je vais plutôt mettre ceci. Hein. Et on va faire chauffer l'espadon. D'accord. Direct, hein. Viens là, truc de mes deux, là. Ah putain, d'ici tu me touches? Ah ouais, mais moi aussi d'ici je te touche. Tu l'avais pas vu venir celui-là, hein? Oh, 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 putain. Et calmos. Calmos, les muchachos. Ouais, non, mais là, c'est pas la fête au slip, les gars. Ah ouais, direct, comme ça, on y va. Tous ensemble, tous ensemble. Je me souviens un peu. D'accord, là, il y a le bossu. Ouais, putain, les roulades. S'il vous plaît, j'appuie sur la touche, là. Alors, je sais que...
J'ai quand même une manette PS5, les mecs. Oh, elle doit être réactive quand même. Bon, toi, tes boules de bombes là, tu m'ennuies un petit peu avec. Ok, là il y a Mister Papy. Oh putain, j'avais oublié ça. Allez, viens là, toi. Voilà. Et là, regarde ce que je vais te mettre. Oh putain, bravo. Je me suis dit, il est déjà mort. Mais non. Increvable, le barbier. Plus qu'il y avait autant de mobs que ça. Voilà. Donc c'était ici. On avait mis les deux pierres là, les deux trucs. Et je pense que, par contre, cet objet là, eh ben vas-y. Ah ouais. Je m'attendais à un boss, moi. Oh, toi, c'est bizarre, le Wymon, là, l'ancien. Il doit avoir quelque chose qui m'intéressera. Did you use such tools to ignite this place? This is no work of mine. This was the doing of one blighted by Shadow Scourge. D'accord, donc il nous parle d'un gros monstre. Incontrôlable furie. Alors, qu'est-ce que tu me vends? Tu me vends des trucs en plus, toi? Les injections, d'accord. Des pierres. Ah, j'ai pas les 1800. Il en vend 3. Ça m'aurait intéressé, parce que je pense qu'il m'en faudra aussi pour monter encore un niveau... mon espadon. Attends, quitte à revenir après, histoire de lui acheter des trucs. Ça, par contre, c'est super. Je m'attendais vraiment à un boss, là. Tiens, je suis étonné, quand même. Ah! Ben voilà. Voilà, voilà. Tu es où, Mister Vilain? Il est où? Alors là... Non, sérieux? Il n'y a pas de boss, là. D'accord. Bon, en tout cas, il y avait tout d'une arène de boss. Hein. Allez! Bon, à mon avis, il va y avoir un boss ici, c'est obligé. C'est pas grave, on va explorer. Il y a peut-être quelque chose pour l'activer, le boss. Une énigme? Oh, putain. Bon, vas-y, tire-le un peu plus rapide, ton boulet de canon, s'il te plaît. Lui va vraiment m'ennuyer, lui. Et je reste poli. Vas-y, tire-le ton boulet. Voilà, maintenant. Je te mets ça. Il est résistant, le bossu, là. Trois attaques chargées, dont... Oui, merde, c'est vrai qu'il explose. Dont un crit. Et tout ça pour... Rien du tout, mon gars. Tu l'as dans l'os. Hop, 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 hop. Vas-y, lance-le ton truc de merde. Ça, c'est des coups à le faire tomber, hein. Je peux pas m'accrocher en hauteur. Impossible de passer. Oh,
je vais partir à droite. Je vais revenir un peu sur mes pas. Ok, ça c'est un minerai particulier, je pense. On en avait déjà récupéré, il me semble, de ça. Ouais, ouais. Tiens, t'as pris que 100 dégâts, toi? Bon, dis donc. C'est quoi ces barils, là? Oh ouais, ça c'est joli. Approche-toi un peu plus, toi. Ok, tu veux pas? Regarde. J'ai ça pour toi. Oh, je prépare mon Kamehameha. Oh putain, oh putain, ce truc de merde là. Ouais, ça c'est joli. Ça c'est vraiment joli ce que j'ai fait là. Ouais, par contre. Ouais, ça, eux ils vont m'emmerder là. Ouais, pas tant que ça. Non, non. Ah oui, joli. Voilà, tourne-toi. Et le temps que tu te tournes, je te défonce. Ouais, regarde là-bas, regarde là-bas. Regarde si j'y suis. Tu m'avais pas vu? Oh. Voile sombre. C'est quoi ce truc? Une offrande à la crypte? Ouais. C'est tout? Bah, il semblerait. Attends, il y avait de l'autre côté par contre. Je vois pas du tout ce qu'on peut faire de ce voile là, sombre. Et attends, c'est quoi ce truc là? Utiliser. Ah bah voilà! On a utilisé le voile sombre, mais il en manque un. Eh ben, allons le chercher. Est-ce que ça débloquerait pas le boss, ça? Je l'avais utilisé, cet ascenseur, ça me dit rien. Non, ça me dit rien du tout, ça. D'accord. Ok, c'est un petit raccourci. Ouais, ouais, petit raccourci. Mais Oui, oui, ok. Ça y est. Petit raccourci, pratique. Et moi, ce que je cherche, c'est le voile noir, sombre. Prends l'épée et coupe le voile. Ton cœur sera protégé. Non, perforé. Par une vérité insondable. Mais en premier lieu, protège ton âme. Ouais, donc prends l'épée. Ton cœur sera perforé. Par une vérité insondable. Mais en premier lieu, protège ton âme. Enfin, la récompense est un esprit tranché. En deux, dans le cosmos, dont le cosmos échappe. Bon, ok, j'ai pas compris grand chose. On nous parle d'une épée. Il faut se protéger avant. Et qu'à la fin, il faut trancher. Bon. Si avec ça, tu comprends quelque chose. Une énigme. Ok, on a une épée. On a une lance qui perfore. On a un bouclier qui protège. Donc en premier lieu, te protéger. Ok. Et on a une hache parfaite pour trancher. Alors en premier, il disait te protéger. Ensuite, couper.
J'aime bien quand j'entends bling. Et après, il disait en dernier, trancher. Donc j'imagine, troisième, ça serait le petit pic. Et ici? Oh, it's magie! Ça doit être si tu te trompes pour replacer le machin. Ok, bon, petite énigme. À la perforasse. Bon, un peu plus simple. Hein. Mais en tout cas, on a le voile. C'est beau, ça. C'est beau. Donc, du coup, voile égal. Est-ce que je vais avoir un boss? Oh oh! Putain. Ça sent le beau boss. Et j'ai bien l'impression qu'il veut me faire très mal. Donc, pour moi, la zone, elle est là. Ce qui est chelou, c'est que le check, il est ici. Donc, je vais combattre le boss avant d'aller au check. Bon, bah tant pis. De toute façon, on va déjà voir un peu le pattern du gros vilain. Du gros vilain pas beau. Ah bah voilà. On y est. Alors attends. Avant d'y aller, je vais faire le petit check. Qu'est-ce qui serait utile? Ça quand même, on sait jamais. Donc, on est dans une crypte. Crypte égale ténèbres, égale dark, égale sombre. Donc on va avoir sûrement peut-être un gros squelette, je sais pas quoi, un truc comme ça, un truc bien bien dégueu. Bon, ça me fait penser à ça, mais bon, s'il faut, ça sera pas du tout ça. Une magicienne peut-être, mais en tout cas, bon, je sais pas, je vais mettre le feu. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Bon, moi, je reste comme ça. De toute façon, là, je vais tester déjà. Que je mets le feu maintenant. À mon avis, je vais pas cerner le pattern. Donc bon, on va rien mettre pour l'instant et on va voir le pattern. Parce que déjà, donc il y a de la petite caillasse qui tombe. Oh putain. C'est quoi ça? C'est Alien. Alien est de retour. Alors, attends, qu'est-ce que tu me fais? Oh putain, d'accord. Ouais, t'es où là? T'es où? D'accord. Ok, c'est les petites caillasses. Attends, mais viens là, que je te bourre la gueule. Qu'est-ce que tu me fais là? Ok, vas-y, prends-toi ça. C'est quoi ces boulettes? D'accord, tu m'envoies des... Ouais, donc ça j'ai capté aussi. Pour l'instant, j'ai capté. Qu'est-ce que... Voilà. Attends. Oh putain. D'accord. Chelou là. Putain, je fais pas de dégâts quasiment. Ok, ouais, bon, ça mince. Moi, je me suis fait avoir là. Oh putain. Ça, par contre, son attaque. J'ai pas capté vraiment. Des cailloux, ok, ça j'ai compris. Par contre, s'il a deux phases le truc. Putain, qu'est-ce que c'est ça? Ok, il y a tout qui se casse. Ça sent le vieux Zboulb. Qu'est-ce qu'il a fait là? Putain, c'est quoi ça? What? What is this? What? Oh putain. C'est énorme, les premières fois que tu vois les boss comme ça. Oh putain, par contre là, je t'en ai mis dans la gueule quand même.
Ok, vas-y, prends-toi un petit soin là. Ah ouais, là par contre, là. Prends-toi un soin. Oh merde! Reprends-toi un soin, putain, je vais plus en avoir! Oh putain là! Reprends-toi ça! Aïe 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 aïe. Ok, j'ai plus de soin là. Ah putain, mais je comprends. Par contre. Allez. Concentre-toi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est des yeux ça? Je peux le taper là? What? 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 C'est quoi ça? Ouais. J'ai plus de. Essaye de te mettre ça, voyons. Oh dommage, putain, je suis deg, hein, je suis deg, franchement, je l'avais bien, là, je l'avais bien, 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 ah, je suis deg, pour un premier try, je l'avais super bien, j'avais bien capté beaucoup de choses du pattern, ah, je suis un peu, ouais, je suis un peu frustré, j'aurais pu le first try, là, ah, dommage, 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 bon, c'est pas grave, donc, j'ai vu quand même pas mal de choses. Donc, le feu. J'aurais dû utiliser le feu, hein. Franchement, j'aurais dû la mettre, là. Je pense que j'aurais fait plus de dégâts avec ça. Bon. Ok. Allez. Non, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me lâche, moi? Attends, je fais de la merde. Je fais de la merde. Hop. Fais pas de la merde. Voilà. Comment bouffer bêtement un papier de feu? Franchement, là, c'est n'importe quoi, ce que je fais. Allez, ça c'est l'adrénaline que t'as après, après le combat d'un boss. Ça me le fait tout le temps. Ok, on va passer ça. C'est parti. Concentré. Oui, oui, là déjà les dégâts. Ouais, ça j'ai capté. Non, 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 dégage, dégage, dégage. Eh ouais, je t'ai trompé de sens. Malaquin, hein. Ouais, d'accord. Fais des roulades. Fais des roulades. Ok, ça marche. Ok, j'ai plus de papier de feu, c'est pas grave. Putain, j'ai fait un magnifique combat au début. Et là, je fais de la merde complète. Putain, ça me dégoûte parce que j'ai fait un truc magnifique. J'ai fait un superbe combat. Et là, voilà. Ça, c'est... Tu poses la manette. Voilà, tu fais une pause. Fais une pause. À chaque fois que je fais des combats de boss intensifs où je suis à deux doigts de le péter dès le premier essai, en règle générale, si je fais pas une pause après, ça se passe pas bien. Donc, je fais une petite pause de 3-4 secondes. Voilà, petit étirement tranquille. Et on y va. Parce que là, par contre, c'était nul. C'était vraiment nul ce que j'ai fait là. Ok, allez. C'est parti. Là, je me concentre. Ok, c'est bon ça. Ok, là tu te soignes. Voilà. Oh mais putain, je peux le toucher là? Ah, ça c'est énorme. Ah, c'est énorme ça.
Ok, là par contre, attention. Ah putain. Alors, ça par contre, j'ai pas tout capté. Ouais, d'accord. Ok. Si tu te mets loin, ça se passe bien. Eh ouais, et là par contre, j'aurais dû rester à droite. Ça aurait été mieux. Attention, dégage. Putain! Re-soigne-toi. Putain, ça par contre. Ok, franchement, le boss est bien, mais je suis dégoûté parce que j'aurais pu le first try. Franchement, j'aurais vraiment pu. Bon, c'est pas grave. Alors, fois 200, froid séché. La monnaie des flétries, des fois peuvent donner à leurs porteurs les plus puissants des sortilèges. Ah! Ils me l'ont mis dans quoi ce truc là? Un ingrédient utilisé par les sorcières? Ouais. Bon. Ah oui, mais c'est vrai que là, j'ai pas de check là, puisque ce monstre de mes deux là, il a pété complètement tout le sol. Faut que j'atterris où là? Crapin de chasse-nuit. Ouh, mais c'est beau ça. Bientôt plus personne ne sera en mesure de l'arrêter. Pour le moment, il me faut garder le secret de son existence. Appuyez sur triangle lorsque vous êtes prêt. Dano pour utiliser votre grappin et vous hisser. Ah bah ça c'est super. Alors là, du coup, ça débloque plein de lieux là que j'ai pas complètement notifié sur ma carte. Impossible de passer. Et du coup, mon grappin, je peux l'utiliser là. Il reste encore ta tête, toi. Tiens. Pourriture de merde. Je t'ai bolossé, hein? Regarde. Je danse. Donc, triangle. Pas mal, hein? Pas mal ça, ce boss était. Ouais, franchement, il était sympa. Mais là, pour le moment, les boss du jeu sont pas mal. L'arme, c'est les niennes. Attends, on va regarder plus tôt. Je préfère directement regarder dans l'équipement, moi. Permet au porteur d'attraper. Non, mais ça, c'est le grappin. Ouais. Donc, c'est une magie. Ouais. Donc, génère des colonnes défensives de glace. Et ça, par contre, ça ne prend que de l'esprit. 15. Je crois que j'ai 13. Donc, le froid, en tout cas, ce sort coûte en concentration. Attends, je vais mettre le gun, quand même. Je vais mettre ça.
Pas mal, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Je sais pas si ça fait beaucoup de dégâts, mais ça part vers l'avant. C'est dommage qu'il n'y en ait que 3. Bon, après, faut peut-être pas pousser mamie dans l'ortie non plus, hein? T'en demandes un petit peu beaucoup, mon gars! Tu te fous de notre gueule! Tu te fous de la gueule des développeurs! T'as déjà un espadon qui est pété, mon pote. T'as chopé un petit grappin. Tu veux pas qu'on te mette aussi... nombre de vies infinies. On est dans le Soul-like ou on est dans le Bisounours Land? Bientôt, je m'appellerai. Je m'apparerai. Que m'emparle. Oh putain! Je suis trop loin de mon écran. Hein. Je m'emparerai. De ce qui m'est dû. Une porte m'appelle. Derrière, elle se trouve les secrets et le legs que ma famille a voulu me dissimuler dans sa cruauté. Plus pour longtemps. Putain, et j'ai du mal, hein. Ouh. J'ai du mal. Je suis vraiment trop loin de l'écran, là. Après, si je me mets trop près, j'ai les yeux qui me... Je me défonce les yeux, donc c'est pas bon non plus. Attends, je peux pas... Hop. Ah, j'étais vraiment pas loin. Bon, non, il veut pas s'accrocher. Mais là, il va vouloir, là. Vous voyez? Donc, là, il y a un passage ici. Bon, attends, j'ai fait déjà en premier lieu. Ouais. Donc, là, par contre, ce qui va être compliqué... Alors, déjà, toi... Ce qui est bien, c'est que je vais t'acheter ça. Et on va en acheter quelques-unes. Allez, un petit contron. Voilà. Des bastos. Putain, j'en ai vraiment pas. C'est pas donné les bastos quand même. Bon allez, on va rester comme ça. Donc, on va refaire le plein de tout. Et du coup, par ici, alors, moi non, ici, c'est pas super intéressant. Alors par contre, maintenant, le souci, ça va être de retrouver les lieux où il y avait les grappins, et je sais qu'il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal. Alors, si je repars d'ici... Ouais, là, ça va être vraiment... ça va être tendu, là. Ça va être vraiment tendu avec le grappin parce que du coup ça me donne accès à pas mal de choses, mais j'aurais dû notifier tout sur la carte. Hop, hop, hop. Ouais. Tiens, bah déjà. Déjà ça. Oh, Mr. Aldrich. And knowledge are all I have left. There are fragments scattered throughout this land. What can I do to help? Find the sacred place. Venture down and seek the tome. Chercher le tome.
que je désire. A knowledge that speaks of celestial powers of which we can only dream. The cosmos a beacon of understanding. I've seen the ripples. A presence I cannot fathom. So you've met our goddess. She fell to this land and is scattered across it. Junis is buried deep below the cathedral, but it is said her spirit lives on. Dans les profondeurs de la cathédrale. With those left behind. Pray tell me about the celestial powers you spoke. Many would describe a glacial weapon, one that only a small collective can wield through an ancient ritual few know of. They can be found, of course, in the most unassuming place you could imagine. Yet it is a place of custom, saved only for the noblest of people. Many of these ancient powers are solidified in legend, little more than tricks. The power is harbored in a frozen and unforgiving. Où règne le froid. Une vaste étendue d'eau. Ouais, ouais. Donc ça, se renseigner sur l'ascenseur. I have heard whispers of the place. As I recall, it once was a place of prestige, authority. Those who resided in the highest peaks broke through when. Putain, d'accord. Bon, donc il m'a parlé d'une zone de froid qui était pas loin et je vois où aller, ouais. Donc là, à mon avis, il y aura sûrement un autre PNJ à débloquer. Attends, la zone de froid. Déjà, avant de faire la... avant d'aller dans la zone de froid, autant monter les niveaux. Voilà, je vais faire ça. Donc j'ai 15 en esprit, je vais monter 25 consti et force 35, ça serait pas mal. Voilà, ça c'est déjà mon premier objectif. Toi, tu me dis rien de plus? Non. Donc, voilà, ici déjà, les ruines maudites. Ah ouais, quand même, hein. Ils sont même résistants alors que j'ai quand même une arme qui tabasse pas mal. Oh là là, oh là là, oh là là. Calmez-vous les gazios. Ah ouais, pas mal quand même. Pas mal du tout ces dégâts là. Surtout que ça consomme pas énormément de concentration. Ouais, pas mal. Pas mal cette attaque de froid là. Ça me plaît bien ça. Comment je... Attends, j'y suis. Je suis bloqué là ou non? Non, non. Voilà, ça glisse. Ça glisse. Pompe de gel. Putain, ça gèle vite dans cette grotte. J'ai bien dit grotte. Journal de Manfred. Ouais, j'ai pas trop envie de te lire. C'est quoi ça? Ah
Moi je tombe comme ça sans regarder ce qu'il y a. Mais c'est quoi ces trucs là? Appuyez sur triangle pour prendre une bombe de Nicrux surpuissante depuis l'hôtel. Ça remplace le stigmate actuel. R1 plus triangle pour la jeter. Elle va exploser en avant si elle reçoit des dégâts. D'accord. Ok, ça marche. Par contre, combien de temps elle reste sur moi? Parce qu'il y avait un truc comme ça aussi un peu plus haut. C'est quoi ça, un style de tombeau? Avec un superbe hôtel. Voilà, il y a un truc là. Il y a un truc à faire, mais quoi? It is a question. Alors, si ça me pète à la tronche, à mon avis, ça va me faire dead. Oh non, c'est pas ça du tout que je veux faire. Attends, mets-toi là. Moi, je pense que tu peux la porter vraiment longtemps, mais si tu dois prendre un dégât, ça doit t'exploser la tronche en même temps. Oh putain, c'est... Que ce... What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, tu te calmes. Ouais. Il commence à faire mal, hein, ces bébêtes, là. Alors là, franchement, ici, d'accord. Là, par contre, ça va être... Ça va être vraiment chiant les gargouilles comme ça par rapport à mon arme. Ça, c'est encore bloqué. D'accord, oui, si, il y avait une bombe. Je crois qu'on pouvait... On pouvait prendre une bombe. Maintenant, elle était où? Ouais, elle était là. Putain, si y a un temps... Si y a un temps, je suis dans la merde. Et à mon avis, il y a un temps. Allez, accroche-toi! Aïe, 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 aïe. Ça va me flinguer, ça. Ça va me flinguer. Vas-y, lance-la! Lance-la! Putain, j'appuie sur le truc! Oh, putain! Alors. Qu'est-ce que j'aime pas là? C'est pas intuitif du tout, hein,
Les gâchettes, hein. Franchement, les gâchettes, c'est pas du tout intuitif, hein. C'est chiant, hein. T'as une perte de temps, c'est... j'aime pas ça. Ah, je me trompe à chaque fois, c'est vraiment, j'aime pas. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir des commandes comme ça. C'est pas intuitif du tout, du tout, hein. Donc là, une échelle, ok. Non, on va passer par... Non, là c'est bloqué. Ouais. Ok, attends, faut que je me concentre un peu plus là. Je suis pas bien concentré là. Je sais pas, je suis en train de penser à autre chose. Allez, je me remets dedans parce que j'y suis pas dedans là. Ok. D'accord. Là, on va pouvoir utiliser, vu qu'on a débloqué le raccourci par la grille, la bombe ici. S'il n'y avait pas un objet en contrebas là. Je suis à un point de vie. Approche-toi. Oh là, dis donc, là je la toucherai pas. Si, ok, ça va, elle est partie. L'arme par contre elle est pas du tout adaptée pour les dégâts avec des sauts comme ça. Elle est trop lente. Il faut que j'arrive à monter une autre arme pour ce type de mob. C'est bon. Je vais plus avoir de potions. Hein. Je bouffe trop de potions là. Ça va pas là. C'est pas dingue, hein, ce que je suis en train de faire là. Je suis pas trop concentré. Vas-y. Oui, ok. Tout ça pour ça. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Par hasard. Ah ouais. Franchement, l'attaque là, elle est vraiment... Non!
Ah, c'est excellent parce que ça les stun aussi. Ouais, d'accord, la régène elle est vraiment super longue. Waouh, c'est pas mal ça comme. Faut que je les garde. Je les garde au lieu de les utiliser. Là, ce qui serait bien maintenant, ça serait de trouver un check. Mais s'il y a ça, c'est que ça va pas être pour tout de suite. Oh putain, c'est qui ces gros Golgoth là? Il y a du Golgoth là. Quoi? D'accord. Ah oui! Ok, eux ils sont en mode vénère. Eux ils sont en mode vénère. En hauteur. Ok. J'aurais bien aimé franchement trouver un check là. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande à la maison, donc je vais être obligé de. Dans la boîte à gants. Oh putain. Oh les PV. Qu'est-ce qu'il fait là? Esprit glacial. Oh putain, même de là. Ah, j'aurais pas cru. Oh waouh waouh, qu'est-ce qu'il me fait là? Je cherche vraiment un check là et. Pas me filer le check là quand même, putain, dis donc. La zone elle est quand même assez longue là, ça serait pas mal de me filer un check. Alors. Allez, je commence à fatiguer un peu là, je vous avoue. Je commence à fatiguer un peu. J'aimerais bien faire une pause, mais j'aimerais bien arriver au truc, au check. Et là, je sens que je vais pas y arriver et que je vais crever avant. Je le sens. Plus, il y a du monde qui arrive à la maison et ça me dérange. Ça me dérange parce que voilà. C'est chiant, mais ça me dérange.
J'aimerais bien m'accrocher là. Accroche-toi, pourquoi tu veux pas t'accrocher? Ok. Tout ce qui attaque comme ça en l'air, c'est catastrophique avec cette épée. C'est... Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer, parce que franchement... Ah, c'est... Il faut vraiment que je trouve une autre arme à côté. Ah, putain. Ça veut pas, hein ? Ça veut pas. Parce que celle-là, là... Oh, putain, c'est... C'est dur, hein ? C'est dur, dur, dur. Là, j'ai pas l'impression que je puisse y accéder, là. Hein. Je vois pas. Je vois pas du tout. Non, non, non. C'est même pas la peine. Bon. Eh ben, je ne sais pas où il faut aller. Oh là là, mais ils ont apparu, ceux-là, là. Bon, je vais essayer de... Ouais, vas-y, vas-y. Mettez-moi des caméas de glace. Je vais essayer de me dégager. Putain, je sais même pas si on peut les toucher, ces trucs. Pouvez-vous me mettre un check, s'il vous plaît? Merci, ça serait cool. Là, je sais le coup de cul que j'ai eu. Un check. Oh non, non, non. Oh non. Ok. Bon. Allez. Bon, là, c'est mort. C'est foutu, là. Là, il y a une phase de combat. C'est... Eh non, c'est pas ça que je veux faire. Ah, je suis complètement déboussolé, là. Ouais, je suis déboussolé complet, là. Bon, allez, c'est mort, là. Je vais essayer, mais je sais que là, c'est dead. Bon, ben, c'est pas grave. Ça sentait la fin de la partie. Ouais, je suis complètement perdu là. Ah ouais, puis j'ai plus les trucs. Ouais. Allez, vas-y, laisse tomber. Allez. Ça, c'est pénible quand t'as quelqu'un qui arrive à la maison et que ça te perturbe comme ça. Bon, bref, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, ils me remettent là. J'espère que quand je vais me déco, qu'ils vont me remettre ici, hein. J'espère. Hein. Bon, allez, je vous laisse. On se revoit très très vite pour la suite. Je vais faire une petite pause et puis je vais... Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao à tous.